peu accélérer pour vous éviter tout simplement la torture du changement des équipements dans l'inventaire. Jamais je n'en tiendrai un. Pourquoi pas? Je trouve ça plutôt agréable d'ouvrir un vieux journal pour ce... Action! Moi, j'ai un journal. Voilà. Tu vois, je ne suis pas la seule. Je suis sûre que beaucoup de gens aiment écrire toutes leurs pensées dans l'espoir que quelqu'un les trouve. Il faut évidemment le garder en lieu sûr. Rebellio! Hé! Tu peux m'aider? Bonjour. Tu voulais me parler? Oui, tout à fait. Je me disais que tu aurais peut-être envie de te joindre à moi pour une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil ? Suivre une carte au trésor de Poudlard ? J'en suis. Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Et où me conseilles-tu de commencer? Après un examen rapide de la carte, je te conseille de commencer près de la salle du professeur Ekat. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Rebellio. Professeur, auriez-vous un moment pour discuter? J'ai toujours du temps pour mes élèves. Que puis-je faire pour vous? Je me demandais depuis combien de temps vous enseignez à Poudlard. Eh bien, cela doit faire 7 bonnes années. Le temps passe vite lorsqu'on s'amuse. C'est essentiel, selon moi. Un esprit passionné, positif et confiant est plus ouvert à la connaissance. Il se peut que certains professeurs ne soient pas de votre avis. Eh bien, nous avons chacun notre propre style, j'imagine. Dans le domaine de l'enseignement, certains pensent que travail acharné et dévouement sont les uniques clés du succès, mais ils oublient les facteurs qui en sont à l'origine. Ceux qui ne comprennent pas l'intérêt de dépenser de l'énergie au bave-boule ne peuvent pas apprécier l'incroyable pouvoir du jeu. Et c'est pour cela que vous enseignez de cette façon? Précisément. Je m'efforce d'être le professeur que j'aurais aimé avoir à l'école. Mon expérience était moins joyeuse. Je suis navré de l'apprendre, monsieur. Vos années d'études semblent loin d'avoir été idéales. Disons que j'ai reçu une éducation plus traditionnelle. Enfin. Mais assez parlé de moi. C'est vous l'élève maintenant, et ce serait dommage de ne pas en profiter. Je ferai de mon mieux, professeur. Merci pour le conseil. Je vous en prie. Essayez de vous amuser un peu aujourd'hui, d'accord ? Rebellion.
frères aînés se sont tous retrouvés à Cerbère. Ils ont une belle carrière, mais... Revelio. En route pour de nouvelles aventures? Revelio. Réparons. Action. Réparons. Il est assez réjouissant d'utiliser le système de réparation, non? Revelio. Revelio. Mission. Et je la laisse un tout petit peu de côté. Parce que je me suis rendu compte que c'était un peu mieux de faire les autres missions en premier. Afin d'avoir plus de stuff. Et surtout de pouvoir avancer un peu plus dans l'histoire. Revelio. Revelio. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rockwood. Ranrok était après Olar, avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé.
En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrok collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrok. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Réveillez-vous. Ce guide du sorcier est bien pratique. Squelette de rhinocéros. Je suis sur la bonne voie. Réveillon. Quel plaisir de vous revoir.
Revelio. Ah, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Revelio. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Revelio. Youhou ! Ah ! Oh non, pas encore ! Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Euphraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine ! Et mon carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention et avec sa permission, une fois par semaine... Revelio. Lumos. Réparo. Leviosa. Action. Action. Leviosa. Action. Réparo. Revelio. Au cas où, si vous vous posez la question, juste tout simplement, j'essaie de chercher les collectibles pour augmenter un petit peu en XP. Et aussi pour pouvoir améliorer l'inventaire et tous ces trucs-là, quoi. Action ! Leviosa ! Revelio ! Je peux t'aider ? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir.
Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Action! Les deux sont réparés. J'ai perdu mon pari. C'est bon! Les deux sont. Bravo! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail! J'espère te revoir ici bientôt. Ravi de te revoir. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolé d'avance. Lumos, action. Réparons. Protection. C'est tout ce que tu peux faire. Complexo. J'ai perdu mon pari. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat.
Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr ! Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? En fait, je reviendrai plus tard. Comme tu voudras. Tu sais où me trouver. Bon, j'ai eu vraiment de la chance. Rébellion. J'ai failli me faire battre... à la fin. Mais heureusement que j'ai utilisé la bonne vieille technique de Street Fighter où le mec est par terre et tu t'acharnes sur sa gueule. Bonjour Lucan, j'aimerais m'entraîner un peu. Content que tu t'accroches. Ça y est, tu veux essayer ? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Très bon travail. Les vieux. Bien joué. Les vieux. Action. Voilà, comme ça. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Tous mes devoirs sont finis. Ouais, j'avoue, j'avais un peu oublié qu'il fallait faire l'entraînement pour valider la mission. Mais bon, maintenant c'est fait. Et je vais pouvoir continuer les quêtes. Vraiment ? Tu ne me manqueras pas. Oh, arrête un peu. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecate. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sorts m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Vous
travail. Incendio. Revelio. Protego. Alors, au cas où, pour ceux qui se posent la question, je me suis dit que c'était un petit peu peut-être comme les coffres avec les yeux et qu'il fallait peut-être faire quelque chose dessus pour débloquer quelque chose. Donc, je me suis dit, allez, vas-y. On tire dessus, on verra bien. Ouais, bon, là, pour le coup, ça servait vraiment à rien. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Alors, soit dit en passant, heureusement pour passer l'heure, parce que certains objectifs, il faut passer une certaine heure pour pouvoir les faire, heureusement qu'on peut le faire sur place. Il y a beaucoup de jeux où il te dirait qu'il faut que tu reviennes. Sébastien m'a dit qu'il s'était introduit dans la réserve de la bibliothèque. Bah, tout simplement sur tes pas. Une idée. Et que t'ailles dormir dans une auberge ou un truc comme ça. Mais là, pour le coup, tu peux le faire sur place. Bon, ça fait un peu clodo, mais c'est comme ça. Mais derrière, ça t'évite de devoir revenir à un endroit, dormir. Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux trois balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Un porte-loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre. Alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Rejoins-moi devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne.
Qu'est-ce qui arriverait si on était surpris dans la réserve? On ira en retenue. Mais il y a des moyens de limiter les risques. Déjà, évite Peeves, l'esprit frappeur. La seule chose qu'il aime plus que tout détruire, c'est dénoncer les élèves comme nous. Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire. Madame Scribe n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bons termes. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Tu vois ça? C'est la porte qu'on doit atteindre. Et ces casse-pieds de préfet n'ont qu'une envie, c'est de nous dénoncer à Scribe. Alors fais en sorte qu'il ne te voit pas. C'est bien compris? Je peux me faire discret. Allons-y. Un petit instant. Le sortilège de désillusion te sera bien utile. Il est idéal pour accéder à des endroits qui nous sont interdits. Lance-le et tu seras à peine plus visible qu'un léger effet de lumière. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits, faisons un essai. Silencieux comme la mort. Oh non, la bibliothécaire est encore là. Vite, derrière l'étagère. Oh non, tu m'avais dit que la bibliothécaire serait partie. En général, mais ça va aller. Tu vois son bureau, derrière moi? La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé. Puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Tu l'occupes, je prends la clé. J'ai compris. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer, et je tiens toujours parole. Crois-moi.
Ça n'a pas été si difficile, finalement. Maintenant, je dois trouver ce livre. Revelio. Ah, celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Fantôme, ne te fais pas remarquer. Action! La voie est libre maintenant. Nous n'avons plus besoin de nous cacher. Mais qu'est-ce que tu cherches, alors ? Je cherche un remède pour guérir ma sœur jumelle, Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Pourquoi penses-tu trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Non, on a tout essayé. De Madame Blaney à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Revelio ! Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Secrets les plus sombres des forces du mal. Impressionnant. Revelio. Alors, les gars, pour la petite anecdote, pourquoi je m'acharne sur l'espèce de petit singe ? En gros, il n'y a que lui qui vous permet... en gros, tu dois les collecter pour le concierge, pour qu'il puisse te faire monter en niveau de crochetage de serrure. Et en fait, l'idée, c'est que bah, comme ça, tu peux ouvrir toutes les portes dans le jeu. Et moi, je ne savais pas ce qu'il fallait faire au début. Donc, je l'ai su un peu plus tard. Faut pas leur tirer dessus. En gros, il y a un certain moment où tu peux que les récupérer. C'est le soir, effectivement, parce qu'ils sont en surbrillance. Et c'est tout, quoi. Mais pour ça, il faut qu'ils t'apprennent un sort, le concierge. En bonne compagnie, attrapé en pleine exploration interdite. Vous n'avez pas à être ici. Vous serez puni. Leaves, n'essaie pas. Je vais le dire. Ah,
Maudit Peeves! Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Attends, je veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur ? Je connais le sort idéal pour réparer cette armure. Réparo. Revelio. De magie ancienne. Cette pièce cache quelque chose. Avoir les améliorations de Merlin, car il faut faire les épreuves de Merlin pour améliorer son inventaire. Je vais devoir passer par l'inventaire, jeter quelques objets, Revelio. En mettre quelques autres. Ça va être un peu chiant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu accélérer ce passage-là pour que ça soit moins relou pour bien mené. Mais je vais vous le laisser quand même pour que vous puissiez voir quel type d'amélioration j'ai pu mettre. Action. Leviosa. Ah, je dois réveiller cette rune. Incendio. Leviosa. Action. Si je peux lancer un sort à la rune. Action. Leviosa. Action. Des gardes. C'est pas surprenant.
Revelio. Je dois sûrement emprunter cette porte. Mais où mène-t-elle ? J'y suis presque. Il faut que je fasse attention.
Vous vouliez me voir, directrice Fitzgerald, professeur Rackham? Miss Isidora Morganac, bienvenue. Professeur Rockwood, professeur Baccar. J'ai cru comprendre que vous vous intégrez plutôt bien à Poudlard. Tout à fait. J'en suis ravie. Entrer directement en cinquième année n'est pas une situation habituelle. Eh bien, en fait, j'ai moi aussi été admis à Poudlard en cinquième année. Mais je crois bien que nous sommes les seuls. Miss Morganac, hier, lors de notre discussion après les cours, vous avez mentionné les magnifiques tourbillons que vous avez vus il y a des années dans votre hameau. Je vous ai tous reconnus dès mon arrivée. Merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. C'était un plaisir. Et oui, j'ai vu les tourbillons de magie, partout ce jour-là. Mon père persiste à dire que c'était mon imagination qui me jouait des tours, mais ça m'a paru très réel. Ce n'était pas votre imagination. Percival, professeur Rackham peut les voir aussi, mais personne d'autre à ma connaissance ne le peut. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est ? Les murmures ou les traces qui apparaissent lorsqu'une forme précise de magie ancienne est utilisée. De la magie ancienne ? Peu de personnes sont capables de la manier. L'école de Poudlard est constituée de cette magie ancienne. Alors si je vois des traces de magie ancienne, cela veut-il dire que je peux aussi la manier ? Avec un peu d'entraînement. Mais ne nous avançons pas trop vite, Miss Morganac. Avant d'apprendre à manier ce type de magie, vous allez devoir maîtriser tous les enseignements de Poudlard. Entre de mauvaises mains, une magie aussi puissante peut être dangereuse. Elle ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et c'est pour cette raison que nous devons vous demander de garder notre conversation secrète. Sébastien. Vous êtes encore à rôder dans la réserve, ce que je vois. Je croyais que c'en était fini de ces bêtises. De toute évidence, les retenues ne servent à rien. J'ai bien peur de devoir rapporter cela au directeur. Mais... Cela étant dit, Peeves m'a soufflé que vous n'étiez pas venu seul ce soir. Si l'on vous a forcé la main, vous devez me le dire. Vous êtes intelligent. Ne gâchez pas cette chance. Il n'y a personne d'autre. Je suis venu seul. Oh, Sébastien. Que va en penser votre oncle ? Sérieux ? Des gobelins qui s'associeraient à Rockwood ?
C'est absurde. C'est plutôt inhabituel, je vous l'accorde. Inhabituel? C'est inconcevable. C'est... Ah, Fig, vous avez de la visite. Je vais voir ce que je peux trouver. Monsieur, j'ai pu fouiller la réserve de la bibliothèque pendant que vous étiez avec le professeur Black. C'était un livre que nous cherchions. Quoi? C'est... Une minute. Vous avez accédé à la réserve? Comment? Oh, à la réflexion, je préfère ne pas connaître les détails. Comme vous voudrez. En réalité, le livre se trouvait sous la réserve de la bibliothèque, comme indiqué sur la carte. Je veux tout savoir, mais avant, montrez-le-moi. Oh! Oh non! Certaines pages semblent être manquantes. On dirait que quelqu'un a trouvé le livre avant nous. Bien. Je vais tout de même me pencher sur ce qu'il en reste. Peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose d'utile, mais cela prendra du temps. Je me demande ce qu'il faisait là, sous Poudlard. Je crois savoir, monsieur. J'ai vu deux autres souvenirs là où j'ai trouvé le livre. Une autre pancine par la barbe de Godric. Percival Rackham, l'homme que nous avons vu plus tôt, a enseigné ici. Dans mon premier souvenir, il était avec trois autres professeurs et ils utilisaient la magie ancienne pour sauver un hameau de la sécheresse. Myriam avait raison. Et le deuxième souvenir? Dans mon deuxième souvenir, il parlait à une élève qui est entrée en cinquième année, comme moi. Elle aussi pouvait voir les traces de magie. Pourquoi ces souvenirs? Oh, ce livre nous l'expliquera peut-être. Je vais devoir l'emmener avec moi à Londres. Le directeur a insisté pour que je parle directement au ministère au sujet de la mort de George. Qu'allez-vous leur dire au sujet de la mort de Monsieur Osric? J'ignore ce que je peux en dire. George a essayé de convaincre le ministère au sujet de Ranrok, en vain. Mon instinct me dicte de poursuivre sur cette voie pour le moment et de garder les détails pour nous jusqu'à ce que nous en sachions plus. Je comprends. Pendant votre absence, je vais tenter d'en savoir plus sur les pages manquantes. Bien. Ne négligez pas vos études. Vous faites des progrès rapides avec votre baguette. Mais vous devez travailler sérieusement au cours de botanique et de potions. La magie ne se limite pas aux sortilèges. J'ai de quoi m'occuper en votre absence. Vous avez été formidable. J'ai hâte de voir tout ce que vous aurez accompli à mon retour. Oh, et ne négligez pas vos amis. La quantité de choses qu'ils peuvent vous apprendre vous surprendra. De montrer tes talents de duelliste et d'essayer de remporter le titre. Retrouve-moi à l'endroit habituel pour la dernière manche de joute magique. Oh, et le mannequin d'entraînement est toujours là. Retrouve-moi à Campolar en bas dès que possible. Les murs du château ont des oreilles et j'aimerais te parler de Rockwood et d'Arlo. Le professeur Fig et le professeur Weasley m'ont demandé de vous enseigner un nouveau sort de défense. Veuillez terminer les devoirs que je vous ai donnés, puis venez me voir dans ma salle de classe.